C'est une très bonne affaire d'avoir gagné ce derby chez nous de but. C'était l'essentiel pour se rattraper du match MSI justement. On savait qu'il fallait passer par une grosse défense. Voilà, la preuve en est, on n'a pris que 22 buts, on a été quand même appliqué malgré nos immanquables en première et en deuxième mi-temps. Ouais. Elle vous a fait souffrir quand même cette équipe de Semur. Et puis elle a un gardien qui arrête les pénaltys sans arrêt. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite sur les tirs. Après, il a été en chaleur, ce qui a servi quoi, pour Semur de les maintenir dans le match. Après, nous derrière, on a su faire la différence quand même avec beaucoup d'envie et notre défense, justement pour pousser les ballons et les mettre au fond. C'est vraiment pas une bonne affaire. Je pense qu'on méritait mieux ce soir. Défensivement, je pense que les gars ont fait un bon match. On prend encore moins de 25 buts. C'était l'objectif ce soir. Par contre, bon, on est tombé sur un bon gardien. Je pense que c'est ce qui nous a fait mal ce soir au niveau des tirs loupés et des immanquables. Bon, les gars ont fait un bon match. On peut que les féliciter, mais bon, c'est sûr que maintenant, ça va être dur. Il va falloir qu'on se reconcentre, qu'on se remobilise pour Mulhouse la semaine prochaine. La saison n'est pas finie, hein, tant qu'on ne sera pas contre Gonfreville sur le dernier match. Avec la défaite contre Massy, peut-être qu'inconsciemment on doutait un peu et du coup, comme l'écart n'était pas énorme, on tombait un peu dans nos travers. En défense, on faisait quelques erreurs, ça nous remettait un peu la tête dedans et on réussit quand même à bien gérer la fin de match. On s'y attendait. Ce mur, ça a été compliqué au match aller, on a perdu. On savait que ça allait être un gros match, ils jouent à leur vie, enfin ils jouent le maintien, donc ils sont surmotivés et ça tourne en notre faveur. C'est un bon match pour nous, un bon résultat. Je suis content qu'on ait gagné, mais je suis partagé aussi parce que ça me fait chier pour eux. Je sais que c'est compliqué et Si on n'avait plus rien à jouer tous les deux, ça aurait été parfait pour moi, mais c'était pas le cas ce soir.